Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Encore une semaine dans la grâce de Dieu. Encore une occasion de nous émerveiller des bontés infinies de notre Père. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements et nous allons nous attarder sur la question de la guérison divine, la guérison que Dieu donne. Vous savez, une des choses que je dis souvent aux personnes qui écoutent ces enseignements, c'est que la seule raison pour laquelle nous demandons quoi que ce soit à Dieu ou pour laquelle nous attendons à quoi que ce soit de la part de Dieu, c'est parce que nous savons que c'est ce que Dieu veut faire. Et ce que nous allons explorer dans les semaines à venir, c'est ce que Dieu pense, ce que Dieu dit au sujet de la guérison. Et c'est ça qui nous intéresse. Peu importe ce que vous pensez aujourd'hui de la guérison, la seule chose qui compte, c'est de dire, Père, qu'est-ce que toi, tu en penses? Il est important pour nous de pouvoir aller au-delà des idées reçues, au-delà des barrières mentales, au-delà de nos déceptions, au-delà même de nos rêves parfois, pour simplement nous plonger dans le cœur du Père et savoir qu'est-ce qui est sur le cœur de Dieu. Et c'est là où nous allons commencer cette série d'enseignements, la volonté de Dieu concernant la guérison. Nous allons par la suite nous attarder sur les miracles de guérison de Jésus parce que nous voulons réellement apprendre au pied du Maître. Nous voulons savoir ce que Jésus a fait, comment Jésus a fait. Et par ailleurs, si vous regardez cette émission et que vous ne croyez pas vraiment en Jésus, vous êtes au bon endroit. C'est l'occasion extraordinaire de découvrir le cœur de Dieu, découvrir la compassion de Dieu, découvrir l'amour de Dieu. Alors, la première chose que nous allons nous poser comme question, en fait, nous avons établi une première chose, c'est dire tout ça, c'est-à-dire la volonté de Dieu est la base de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous lui demandons, de tout ce que nous attendons de lui et tout ce que nous croyons. Maintenant, la deuxième chose, et ça c'est la première question, c'est ceci. Est-ce que c'est important? Je veux que vous réfléchissiez à cela. Est-ce que la guérison physique est importante? Certains vont dire que ce n'est pas quelque chose de majeur, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas ce qui compte, c'est que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et je suis 100% d'accord que nous sommes censés recevoir le pardon de nos péchés, être réconciliés avec Dieu. Mais la guérison physique est importante. Elle est tellement importante aux yeux de Jésus qui passait son temps à guérir les malades. Et pas une seule fois, Jésus n'a refusé de guérir qui que ce soit. C'est dire à quel point c'est important aux yeux de Dieu. Nous allons constater par la suite, en explorant les différents passages que nous allons voir ensemble, à quel point Dieu est attaché à notre bien-être physique. Pourquoi c'est important? Parce que c'est important pour nos vies sur la terre. Vous savez, je n'ai pas souvent été malade de ma vie, mais je me souviens d'une fois, il y a des années de cela, où je me suis réveillée, tout d'un coup, je n'allais pas bien. Et j'étais complètement incapable de bouger. Dès que je me levais, j'avais des vertiges. C'était très étrange. J'ai appelé mon frère qui est venu rester avec moi. Nous avons prié ensemble. J'ai vu Dieu agir. Mais je dois dire que ça m'a ramené à réfléchir à l'importance de la guérison. L'importance de marcher dans la bonne santé. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui a plus ou moins eu la bonne santé, vous ne vous rendez pas toujours compte de l'importance de la guérison. Et je sais que les gens qui regardent cette émission, qui ont été malades ou qui sont peut-être malades en ce moment, peuvent dire avec moi que c'est important d'être en bonne santé. Et nous ne pouvons pas dire que c'est quelque chose de mineur. Si c'était si mineur que ça, Jésus n'aurait pas passé autant de temps à s'en occuper. Et j'avais vraiment pris conscience de la grâce extraordinaire que c'est d'avoir un corps physique qui fonctionne. Et Dieu veut que nous ayons des corps physiques qui fonctionnent. Nous allons voir des versets dans quelques instants, nous allons voir beaucoup, parce que nous voulons que la parole de Dieu nous parle au-delà, comme j'ai dit précédemment, des idées reçues. Il y a une autre question, et c'est le troisième point que je vais évoquer. Si Dieu voulait que nous soyons guéris, tout le monde serait guéri, n'est-ce pas? Et si tout le monde n'est pas guéri, parce que c'est notre expérience, tout le monde n'est pas guéri. Nous n'avons pas eu un taux de guérison à 100%.
Personne ne peut vous dire qu'il a eu un taux de guérison à 100%. C'est faux si quelqu'un vous dit cela. Remarquez, c'est peut-être le cas dans certains endroits. Moi, je serai la première à vouloir le savoir. Si vous connaissez une telle situation, dites-le moi, je veux le savoir. Mais simplement pour dire que nous constatons des réussites, nous constatons des échecs, nous constatons des situations différentes. Donc, les gens pourraient dire, mais OK, si vous-même vous dites que tout le monde pour qui vous priez n'est pas guéri à 100% tout de suite, pourquoi donc continuer à prier pour la guérison? Je reviens à la première chose que j'ai dit. Ce que nous demandons à Dieu, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Si Dieu ne voulait que personne soit guéri, nous ne prierons pas pour la guérison. Dans la mesure où Dieu veut que les gens soient guéris, nous prions pour eux, pour qu'ils soient guéris. Tant qu'il y a une personne qui a la possibilité d'être guérie, ce sera criminel de ne pas prier pour les malades. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de négliger des personnes que Dieu veut guérir, et les laisser mourir jeunes, mourir tôt, laisser leur famille derrière, alors qu'il y a une possibilité pour qu'ils soient guéris. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons une responsabilité. Nous à qui la parole de Dieu a été donnée, nous à qui l'assurance de la guérison a été donnée, d'aller au-delà de nos propres insuffisances et de ne pas émettre des prétextes pour ne pas faire ce que Dieu nous a demandé. Nous allons voir plusieurs passages dans ce sens qui nous amènent à réfléchir. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais dire en réponse à cette question, parce que je sais que ce sont des questions que les gens posent, les gens me les posent tout le temps, quand je parle de guérison, parce que j'en parle. Et parfois, ces questions limitent la capacité des gens de recevoir. L'autre réponse que je donnerais à cette question, c'est celle-ci. Avez-vous pensé au fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Maintenant, si vous appartenez au groupe que je ne nommerai pas, qui se plaît à dire que Jésus n'est mort que pour des élus, une certaine catégorie de personnes et pas pour le monde entier, vous n'êtes certainement pas d'accord avec cette réponse, mais je pense que la majorité des chrétiens sont quand même conscients du fait que Jésus est mort pour tous. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne désire qu'aucun homme périsse. Mais chaque jour, il y a des gens qui meurent sans avoir reçu Jésus. Est-ce que c'est parce que Dieu le veut? Non. Nous vivons dans un monde qui est séparé de Dieu. Nous vivons dans un monde qui est sous la coupe de la malédiction depuis la chute. Donc, il se passe des choses sur la terre qui ne sont pas le désir de Dieu. C'est un petit peu comme lorsque les gens demandent, mais s'il y a un Dieu, pourquoi il y a autant de souffrance sur la terre? Eh bien, moi, je vois les choses d'une autre manière. Moi, je dis heureusement que Dieu est là. Parce que s'il n'y avait pas de Dieu, nous vivrons un véritable enfer sur la terre. Vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui vivent en enfer. Oui, mais je dis que tous vivront en enfer si Dieu n'existait pas. Parce qu'en réalité, il y a un endroit où Dieu est absent, c'est l'enfer. Et la situation là-bas, nous ne souhaitons pas la voir sur la terre. Donc c'est la présence et l'existence de Dieu qui fait en sorte qu'il y ait quand même une certaine limite au mal et que les choses peuvent être contenues dans une certaine mesure et qu'on voit des changements ici et là, sinon il n'y aura plus de possibilité de changement. En l'absence de Dieu, aucune possibilité de changement, aucune possibilité de salut, aucune possibilité de bonheur, aucune possibilité de rire, aucune possibilité de joie, le mal total est absolu. Mais heureusement, ce n'est pas ce que nous vivons sur la terre. Donc, ce n'est pas une raison valable que de dire que si, oui, mais pourquoi y a-t-on de souffrance? Comment est-ce que je peux croire à la guérison à cause de la souffrance qui existe sur la terre? Non. Dieu est constamment en train de tendre les mains vers l'homme pour justement enlever la douleur, enlever la maladie, enlever la souffrance. Et ce que nous voulons, c'est apprendre à coopérer avec lui. C'est aller au-delà de nos insuffisances et nos échecs et notre incompréhension, étudier ce que Dieu fait, apprendre à laisser Dieu passer par nous pour guérir les gens et à recevoir la guérison dans nos propres vies. Quelle est la volonté de Dieu concernant la guérison? Donc, Dieu, j'ai donné un exemple récemment de cela. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire quelque chose qui n'est pas bien? Dites oui, oui, parce que ce sera la vérité. Est-ce que Dieu voulait que vous le fassiez? Dites non, non, parce que ce sera la vérité. Eh bien, vous l'avez quand même fait. Et vous êtes donc la preuve vivante qu'il se passe des choses sur la terre qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et quand vous avez décidé d'écouter Dieu et d'arrêter de faire, est-ce que c'était une bonne chose? Oui. Est-ce que Dieu était content? Oui.
Ce qui veut dire que Dieu agit dans le cœur de l'homme. Dieu agit pour nous conduire. Dieu agit pour nous amener dans un sens. Et nous avons le choix de ne pas le suivre. Ça, c'est juste par rapport à un exemple personnel. Mais pour ce qui est des lois qui régissent notre univers, c'est exactement la même chose. Il y a des choses qui se produisent sur la terre qui ne correspondent pas au cœur de Dieu, ni au désir de Dieu. Dieu ne désire qu'aucun homme périsse, mais il y en a chaque jour qui meurent sans Dieu et qui vont dans une éternité sans Dieu. Mais lorsqu'il est invité à agir, il le fait. Lorsque chacun de nous l'invite dans nos cœurs, il vient. C'est ça qui est extraordinaire. Nous pouvons ne pas l'inviter dans nos cœurs, il ne vient pas. Nous pouvons l'inviter et il viendra. Parce qu'il y a une certaine autonomie qu'il a donnée à l'être humain. Et il y a aussi une certaine règle de fonctionnement. Il y a aussi la répercussion de la chute qui fonctionne sur la terre. Donc, c'est important de dire ces choses avant de nous lancer dans les exploits de guérison de Jésus et de nous enthousiasmer de ces choses pour balayer en quelque sorte certaines des objections que l'on pourrait avoir qui empêchent aux gens même d'écouter ce que vous êtes en train de leur dire sur la guérison. Nous avons le choix de nous tenir pour la vérité de la parole de Dieu, même si nous ne voyons pas une manifestation parfaite et totale. Tant que nous pouvons voir une personne guérie, nous devons continuer à prier pour les malades. Et nous voyons plus qu'une seule personne guérie, c'est ça qui est extraordinaire. Et nous continuons à apprendre comment Dieu fonctionne. Alors vous allez me dire, oui, vous avez parlé au début du fait que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit être dans le contexte de la volonté de Dieu. Nous sommes en train de poser un fondement ici. Comment est-ce que nous savons que Dieu veut que nous soyons en bonne santé? Je vais attirer votre attention sur ce verset dans Matthieu chapitre 7. Ce passage plutôt dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. Et le verset, le passage s'affiche à l'écran pour faciliter la lecture. Et moi, je vais simplement vous le lire. Jésus dit ceci, demandez. Ça, c'est extraordinaire. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est Dieu en la personne du Fils qui nous invite à présenter des demandes, à chercher, à frapper. Je continue au verset 8. Car celui qui demande reçoit. Waouh, c'est bon, c'est bon. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. En d'autres termes, Dieu n'est pas là à opposer des refus catégoriques à nos demandes. C'est clair. Continuons au verset 9. Maintenant, Jésus dit, qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Bonne question. Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, il ne mâche pas ces mots, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Là maintenant, essayez un peu de voir ce qui se passe ici. Jésus s'adresse aux gens. Et il les invite à présenter leurs demandes à Dieu. Et pour qu'ils comprennent à quel point Dieu est désireux de faire du bien. Nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu concernant la guérison, n'est-ce pas? À quel point Dieu est désireux de faire du bien, il leur donne un exemple. Il dit, écoutez, vous, par exemple, imaginez que vous êtes à table. Et moi, je vais paraphraser. Imaginez que vous êtes à table. Vous êtes installé devant votre steak frites. Et vous êtes avec, en Afrique, peut-être devant votre ndolé, n'est-ce pas, ou peut-être devant votre banane plantain. Vous êtes installé, vous avez votre plat bien agréable et vous mangez. Et alors, votre petite Sandrine qui a 4 ans vient vers vous, un peu timide, et Sandrine dit, mais bonjour maman, bonjour papa, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, est-ce que je peux avoir un petit bout de pain sous la table? Et vous faites un petit bout de pain. Oui, prends le pain. Tiens, et vous lui donnez un caillou. Non, vous pensez à ça tout de suite. On dit, oh, quel parent indigne, appelons les assistantes sociales. Et en Afrique, appelons la grand-mère. Ça vous paraît tout de suite, non, mais quand même. Voilà, Jésus a donné un exemple de ce genre pour nous montrer à quel point Dieu, notre Père, est disposé à nous faire du bien. Et vous savez ce que nous recevons de Dieu.
dépend étroitement de la vision que nous avons de Dieu. Beaucoup de gens voient encore un père fouettard. Il veut m'apprendre, donc il m'a mis en concert. Il veut m'apprendre, donc il m'a fouetté. Il veut m'apprendre. Non, 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 non. Ce n'est pas l'image que Jésus nous donne du Père. Il nous explique. Et Jésus, avec son franc-parler habituel, a dit, mais vous qui êtes mauvais. En d'autres termes, Dieu est bon, vous êtes mauvais. Mais même vous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien même le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui... Combien même votre Père Céleste, voilà, à plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Maintenant, vous allez me dire, mais je suis d'accord, Dieu donne de bonnes choses, mais qu'est-ce qui vous dit que la guérison fait partie de ces bonnes choses? Regardez avec moi dans le psaume 103, du verset 1 au verset 3. Nous voulons savoir ce que la parole de Dieu nous dit quant au cœur de Dieu concernant la guérison, quant à la volonté de Dieu concernant la guérison. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans le psaume 103, le psalmiste s'écrit, il dit ceci, que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Je suis en train de lire la version de Semeur. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Et tout de suite, oui, mais voilà, il pardonne nos péchés. Mais il ne fait pas que pardonner nos péchés, justement. C'est lui qui te guérit de toute maladie. C'est extraordinaire. Qui t'arrache à la tombe. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ensuite, c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. À chaque fois que je cite ce passage dans notre église, je dis toujours, ah, ça a un sens pour certains d'entre nous. Au-delà de 40 ans, nous sommes heureux de découvrir un verset sur le fait que notre jeunesse prend un nouvel essor. Et dans une autre traduction, il parle du fait qu'il renouvelle jeunesse. Alléluia! C'est très bien. Bonne nouvelle pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Donc, vous voyez, la parole de Dieu nous dit que Dieu, le psalmiste est en train de célébrer Dieu pour ses bienfaits, pour ses faits hauts et extraordinaires. Et quels sont ses faits? Le pardon des péchés. D'ailleurs, le mot hébreu utilisé dans ce passage est un mot assez neutre qui veut dire les faits, les actions. Et quand nous constatons ce qu'il liste ici, c'est évident que ce sont de bonnes choses. Le pardon des péchés. Quand vous entendez que Dieu vous a pardonné vos péchés, est-ce que c'est une bonne chose? Il guérit toute maladie. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Qui t'arrache à la tombe. Vous voyez, c'est fort. Donc nous pouvons, avec beaucoup d'assurance, considérer que lorsque Jésus parle du fait que le Père Céleste donne de bonnes choses à ses enfants, ces bonnes choses incluent évidemment la guérison de nos corps. Il y a une histoire très intéressante dans la Bible et qui nous est racontée dans Ésaïe 38. C'est l'histoire, et aussi dans Chronique par ailleurs, dans plus de détails d'ailleurs, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Ézéchias. Ézéchias était roi. Ézéchias, le malheureux, est tombé malade. Ézéchias a décrit sa maladie dans des termes émouvants qui... Vous avez de la peine pour le pauvre malheureux, gémissant en agonie sur son lit. Et pire encore, un prophète est allé voir Ézéchias et lui a dit, Ézéchias, mets tes affaires en ordre parce que tu vas mourir. Ézéchias a crié à Dieu. Et a imploré Dieu de le guérir. Et Dieu l'a guéri. Et une des choses qu'Ézéchias disait, comment est-ce que nous pouvons savoir que la guérison est la volonté de Dieu? Parce que Dieu promet de bonnes choses. Parce que notre guérison physique nous permet de célébrer et de louer Dieu sur la terre. Et Ézéchias avait eu cette expression selon laquelle il voulait louer Dieu sur la terre des vivants. Et au verset 16, il dit ceci, « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie.
C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Ézéchias est en train de dire à Dieu, Seigneur, moi je veux te louer sur la terre. Et tu m'as guéri. Maintenant je suis guéri, je suis là encore pour te louer sur la terre. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la célébration et la louange de Dieu, faite par ceux qui le connaissent, ceux qui reconnaissent ses bienfaits et ses hauts faits et sa bonté sur la terre. Il y a Nous amenons un changement dans l'atmosphère spirituelle, dans l'endroit où nous sommes avec la louange et l'exaltation de Dieu. Et si nous ne sommes plus là, nous ne pouvons pas le faire. Ézéchias a bien souligné ce fait qu'en étant guéri, en étant encore vivant, il pouvait contribuer à célébrer, à louer Dieu sur la terre. Comment est-ce que nous savons que la guérison est la volonté de Dieu, ou même que la guérison est une bonne chose aux yeux de Dieu? Parce que vous savez, qu'est-ce qui est bon en réalité? Comment définissons-nous ce qui est bon? Ce que nous voulons? Non. Parce qu'il y a des fois, nous voulons des choses qui ne sont pas très bonnes. Et nous nous en repentons après. Mais comment définissons-nous ce qui est bon? Nous définissons le bon par ce qui est agréable à Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu choisit de faire, de donner, c'est ça le standard pour définir ce qui est bon. Et puis nous pouvons savoir que la guérison est une bonne chose et que c'est la volonté de Dieu parce que Dieu l'a proposé à son peuple. Et je dis bien proposé. Et il y a des choses que nous recevons de quelqu'un lorsque nous avons insisté lourdement, que nous avons laissé des petites indications ici et là, juste pour que la personne sache que nous avons besoin de quelque chose. Mais il y a de ces choses qui nous sont proposées. Et Dieu a proposé la guérison. Regardez avec moi dans Exode 23 au verset 25, Dieu a proposé la guérison. Il dit ceci dans la version à lui second, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Dans la version du sommet, je vais vous lire le verset 24 et le verset 25. Au verset 24, il dit ceci, vous n'adorez pas leur Dieu et vous ne leur rendrez pas de culte. Ça, c'est au moment où il a fait sortir son peuple de l'esclavage et il voulait le faire entrer dans la terre promise. Il était en train de dire à son peuple, écoutez, vous devez faire une séparation. Ne commencez pas à vivre comme les gens du pays où vous allez. Vous allez vivre différemment. Et Dieu leur dit ceci, vous n'adorez pas leur Dieu et vous ne leur rendrez pas de culte. Vous n'adopterez pas leurs pratiques religieuses. Ça nous parle aujourd'hui aussi. Au contraire, vous renverserez leurs statues et vous mettrez en pièces leurs stèles sacrées. Au verset 25, vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Et ensuite, il continue en disant, et je vous préserverai des maladies. Il n'y aura pas dans votre pays de femmes qui avortent et qui soient stériles. Je vous ferai parvenir à un âge avancé. C'est matière à réflexion. Dieu va vers ce peuple et leur dit, suivez-moi, obéissez, servez-moi et je vais vous préserver de la maladie. Je ferai en sorte que la maladie soit enlevée du milieu. Je ferai en sorte que vos femmes n'aient pas de fausses couches. Je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de stérilité. Je ferai en sorte que vous soyez féconds. Je ferai en sorte que vous soyez en bonne santé. C'est Dieu qui l'a proposé. Est-ce que vous avez encore un doute sur le fait que Dieu veut que nous soyons en bonne santé? Alors certains vont me dire, oui, mais c'est l'ancienne alliance. Mais nous allons voir dans l'émission suivante ce qui s'est passé sous la nouvelle alliance. Ce qui s'est passé avec Jésus, lorsque Jésus est venu sur la terre. Parce que c'était une continuité. Une continuité. Et comment pouvons-nous dire que, sous l'ancienne alliance, avant la venue de Jésus, Dieu voulait que son peuple soit en bonne santé. Il a même fait la promesse de les guérir.
Mais maintenant, parce que Jésus est venu, il nous dit, ben, écoutez, crèvez, mourrez. Bon, c'est une façon assez grotesque et dure de le dire. Mais il nous faut réfléchir sur ces choses et éviter de permettre à ce que une prière à laquelle nous estimons ne pas avoir eu de réponse nous empêche de creuser la vérité de la parole de Dieu. Nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons apprendre les choses de Dieu. Nous devons apprendre comment Dieu guérit. Nous devons apprendre comment recevoir la guérison. Nous devons nous laisser imprégner de la parole de Dieu au point où nous sommes entièrement, totalement, absolument convaincus de ce que Dieu veut. Et c'est ainsi que nous allons commencer à avoir des résultats, que nous allons commencer à avoir des fruits. Dans le psaume 45, il y a comme une sorte d'éloge à Dieu qui est fait ici et qui me touche beaucoup. Verset 5, ou selon les versions, le verset 6. Il dit, tu as multiplié éternel, mon Dieu. Tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le cœur de notre Père qui fait des choses tellement grandes, tellement merveilleuses, tellement innombrables que nous avons envie de les publier, de les raconter, de dire à tout le monde, regarde ce que Dieu fait, regarde comment Dieu est merveilleux. Mais nous sommes obligés de dire, leur nombre est trop grand pour que nous les racontons. Leur nombre est trop grand. La bienveillance de Dieu durera toujours. Si vous êtes malade aujourd'hui, je vous encourage, tournez votre regard vers Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tournez votre regard comme Jésus et faites comme cette femme qui s'est contentée de dire, je vais toucher le bord de sa robe et je serai guérie. Et elle a libéré sa foi, elle a touché Jésus et elle a été guérie. Je vous invite aujourd'hui, alors que nous terminons cette émission, à tourner votre regard sur Jésus. Parlez avec le Père, dites, Père, si c'est vrai ce qui a été enseigné, que réellement tu guéris aujourd'hui, je reçois la guérison dans mon corps maintenant. Je reçois le pardon de mes péchés et je reçois la guérison. Maintenant, si vous ne connaissez pas Jésus, Dieu veut vous guérir aussi. Est-ce que vous avez constaté dans votre quartier que quand la pluie tombe, elle ne tombe que sur la maison des chrétiens? Non. Dieu est à l'origine de la pluie. Il fait tomber la pluie sur nous tous. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui parle de cela. Il donne de bonnes choses à nous tous. Et les gens que Jésus guérit, ce n'étaient pas nécessairement des gens qui étaient des gens très pieux. Très... Non, tout ce que Dieu demande, c'est que vous lui fassiez confiance. Faites-lui confiance aujourd'hui. Tournez vos yeux vers lui. Et faites cette prière avec moi. Père Céleste, je te donne ma vie. Je crois que tu es Dieu. Je crois que Jésus est ton fils. Je crois que Jésus est venu te révéler. Et je veux te connaître. Je te demande de me pardonner. Je te demande aussi de guérir mon corps. On m'a dit aujourd'hui que tu es un Dieu bon, bienveillant, généreux, qui fait de bonnes choses, de grandes choses. Eh bien, j'accepte de croire en toi. Je crois, Père. Et Jésus a dit que tu donnes de bonnes choses. Je te demande aujourd'hui une pleine guérison dans mon corps. Comme Jésus a promis que tu donnes de bonnes choses. Et la guérison est une bonne chose. Je te remercie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous allons continuer dans cette série d'enseignements sur la guérison au cœur du Père. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Béatrice. Je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et partenaire. Alors, qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire s'impliquer dans un ministère, qui veut faire avancer le royaume de Dieu. Et si vous avez été comme moi, si vos vies ont été impactées par ce ministère, eh bien, je vous encourage aussi à devenir partenaire. Alors, vous pouvez être partenaire de prière, vous pouvez prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier. Il suffit pour cela de vous rendre sur le site de la compagnie Théophile dans la rubrique partenariat. Choisissez un montant de votre choix pour nous soutenir financièrement tous les mois. Et vous êtes nombreux également à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages de diverses nations. Nous recevons des emails, des appels du Tchad, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Angleterre.
enfin bref, de différents pays du monde. Et c'est une joie et un honneur pour nous de savoir que vos vies sont touchées dans le monde entier. Donc si vous voulez devenir partenaire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur le site.